T'es en train de jardiner, puis là, pshh, tout d'un coup, là. T'as des lunettes de soleil. Ok, fait qu'il faisait soleil. Ouais. T'as des lunettes. Ben oui. Et il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir. Pfiou! Moi, je suis rentrée juste à temps, là. Hey, je faisais du jardinage, là. Puis, tout d'un coup, j'étais comme, hey, hey, Seigneur, c'est vrai, là, je réalise encore plus. Tu sais, là, la parabole du semeur. Ouais, ouais. Je sais plus de quoi je parle. Mais, hey, hey, salut! Ok, excusez-le, mon chapeau, je suis en train de faire du jardinage. Juste pour vous. Puis, ouais, c'est quoi? Ouais, je disais, c'est ça. Je suis en train de parler de la parabole du semeur aussi. Puis, là, j'étais comme en train de jardiner. Puis là, Jésus, il parle de quatre sortes de terre. Tu sais, il y a ceux qui. La semence, ça va tomber sur le bord du chemin. Puis là, les oiseaux, ils viennent, ils mangent. Après ça, il y a le sol rocheux où est-ce que ben, la semence, elle prend pas racine. Fait que dès qu'il y a du vent, elle s'en va. Puis il y a aussi le sol ronçonneux ou avec des ronces puis des épines, tout ça, où est-ce que la semence est comme tout étouffée. Puis il y a aussi la terre qui est bonne. Oui, oui, oui. Tu comprends? Oui. Puis là, moi, j'étais comme en train de jardiner, tu sais. Puis là, je me suis dit, hey, en fond, là, chacun de nous, on doit cultiver notre cœur. Tu comprends-tu un peu? Le jardiner? Ouais, genre le jardiner, tu sais, comme. On doit en prendre soin pour que notre cœur soit comme une bonne terre pour recevoir la parole de Dieu. Tu sais, Jésus, il a comme expliqué cette parabole-là, puis il dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Oui. Puis que notre cœur, ben, c'est une terre. Fait que ça dépend de l'état de notre cœur. Tu sais, il y en a que, ben, eux autres, ils vont juste comme entendre, puis c'est comme ça, ça rentrera même pas dans leur cœur vraiment, parce qu'ils vont juste l'entendre, puis le pfiou! Ben, le diable, il vient, puis il vole la semence. Puis... Ça, c'est la première terre. Ouais, la première terre. Après ça, la deuxième terre, tu te rappelles? C'est celle avec les roches. Ouais, les roches, c'est ça. Ben, c'est que ça, c'est plus les personnes, tu sais, qui vont recevoir la parole de Dieu avec joie. C'est hey, c'est la parole de Dieu, yeah, yeah. Mais dans le fond, c'est comme, ben, ils laissent pas la parole de Dieu prendre racine en eux, tu vois. C'est comme, ils la mettent pas en pratique. Fait qu'ils vont juste comme la recevoir, puis hey, ils sont joyeux. Mais quand il arrive les temps difficiles, ben, la parole, c'est comme elle vole au vent, puis il oublie. Ou, tu sais, c'est comme ça, ça dure pas, ça prend pas racine. Mm-hmm. Puis après ça, la troisième terre, c'est la terre avec les mauvaises herbes, les ronces. Ouais, les ronces, c'est ça. Ou on peut dire les mauvaises herbes aussi, ouais. Comme tout épineux, tout ça. Mais ça, c'est plus comme le genre de personne qui va être tellement préoccupée par toutes sortes de choses dans la vie, tu sais, comme les richesses ou tout ce qui peut stresser. Les soucis, les difficultés de la vie, tu sais. Puis là, les personnes, mais ils sont tellement préoccupés par ça qu'ils vont comme étouffer la parole de Dieu, tu sais. Ils vont la mettre dans un petit coin puis ils s'en occupent pas, tu vois. Mm-hmm. Fait que dans ce temps-là, ben, ouais. Ça marche pas, là. Non. Ça marche pas, là. Ils grandissent pas. Ils font étouffer comme la semence, là. C'est ça, ils étouffent la semence, fait qu'ils peuvent pas grandir spirituellement. Mais il y a la bonne terre. La bonne terre. Puis la bonne terre, elle, ben dans le fond, c'est comme un cœur qui est honnête et sincère, qui est vrai, qui est bon, puis qui veut recevoir la parole de Dieu. Non seulement il veut recevoir la parole de Dieu, mais il est heureux de la recevoir, mais il va la mettre en pratique, tu vois. Tu sais, quand il va avoir des épreuves ou quoi que ce soit, il va s'appuyer sur la parole de Dieu, puis il va dire, hey, peut-être qu'il y a de la maladie dans ma famille, mais la parole de Dieu me dit que Dieu, c'est le guérisseur. Alors, je m'appuie là-dessus, puis je vais prier pour cette personne-là. Puis tu vois, c'est comme, ils vont vraiment... À place que quand il y a des problèmes qui arrivent, puis que la semence en aille, là, reste, puis justement, ils s'appuient sur la parole de Dieu. C'est ça, ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu, puis... Tu sais, quand Dieu va dire que il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, ben cette personne-là va faire « Mais est-ce que je suis orgueilleuse? » « Ok, moi, je pense que je suis orgueilleuse. Il faut que je travaille sur moi. » Tu sais, comme des choses comme ça. « Ok, Seigneur, je suis orgueilleuse. Aide-moi. » Ou tu sais, ils sont ouverts. Ils sont ouverts à la parole de Dieu. Puis là, la parole de Dieu, c'est comme « Elle prend racine en eux, tu vois? Mm-hmm. »